c'est pas qu'à gagner l'unité. Mais ça sent bon danger. C'est vrai, ça c'est vrai. Haïtien réveillé dans conscience ou guérisance. Ça va qu'à continuer. Haïtien c'est lumière. C'est vrai, ça c'est vrai. Yeah, nous mêlons là. Ça c'est vrai. Haïtien même mieux payé une campé là. La Paris est danger là. On nous lève quand même pour nous dire assez. Attention, stop. Yes. La balance va changer. Ya 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 ya. Pour ménager, c'est pour vous, pas dans ma vie, c'est tout.
Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Ça demande de l'heure que n'attend de l'émission. Bonsoir, tout fanatique, auditeur, Late Night Show. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Haïti. Bonsoir, les États-Unis. Bonsoir, le Canada. Bonsoir, la France. Bonsoir, le Brésil. Bonsoir, le Mexique. Bonsoir, le Venezuela. Bonsoir, les Antilles. Bonsoir, tout Haïtien, quel que soit côté n'attend de l'émission. Ça. Déjà, un grand merci d'être que nous pouvons nous aider pour nous capables d'attendre plus de deux heures de temps. Ici Late Night Show, Flavor Flavor. C'est une vraie émission partagée pour plus de monde capable de ça pour parler à soi. Nous allons parler de politique, de situation et politiciens haïtiens et qui trouvent dans une situation qui est très difficile. N'oubliez que l'émission est disponible sur Radio SBS en radio qui trouve dans le pays Brésil. Et puis l'émission est disponible sur YouTube, Flavio Joseph. Si toutefois vous avez une chance pour capable assister à l'émission ça soir demain, si vous voulez capable brancher sur YouTube, Flavio Joseph, vous capable cliquer de Late Night Show with Flavor Flavor. Bonsoir Capaïsien, bonsoir Limonade. Bonsoir Quartier Morin. Bonsoir Trou du Nord. Bonsoir Nord-Est. Bonsoir Capoti, bonsoir Anamet, bonsoir Monte Organisé. Bonsoir aux pêches. Bonsoir à tous les Haïtiens qui se trouvent en République Dominicaine. Bonsoir Bahamas, bonsoir Tox and Caicos. Un petit bonsoir à Dwolin Célestin. Salutations spéciales à mon ami Renol. Mathias, All Stars Barbershop. Bonsoir princesse Darlene. Bonsoir la belle Sissi. Bonsoir la famille Brice. Bonsoir New Jersey, bonsoir Philadelphia, bonsoir New York, bonsoir Brooklyn, bonsoir Everett, bonsoir Marchand sous tête. Bonsoir à tout Haïtien qui a écouté l'émission ça dans pays Brésil. Ici Late Night Show, Flavor Flavor, politique et musique. Haïti sous lumière rouge, c'est toute première note de l'émission ce soir avec la formation Engaout. Une formation qui n'existe plus.
Mais qui était en pile belle musique pour nous capable faire des émissions, c'est grâce à monsieur ça, compositeur ça, musicien ça, chanteur, poète, compositeur et qui était en pile texte pour nous, qui capable inspirer nous de situation pays politique pays d'Haïti. Encore une fois, un grand merci à tout le monde qui déjà branché émission pour une première sortie de l'émission Late Night Show. Et jeudi, c'est lundi 7 novembre 2022 et 10e mois et 11e mois pardon et pour année 2022 et pendant que nous-mêmes en Haïti et tout le monde qui est en Haïti 10e mois et l'autre pays a compté calendrier mais Haïti c'est tant coup calendrier a pas jamais fonctionné pour pays d'Haïti parce que chaque jour pays a trouvé dans même situation et gen moun qui toujours dit et c'est jour qui différent c'est même bagaille parce que situation pas jamais changé et bien c'est typiquement réel pour notre société notre cher Haïti que à chaque fois que nous trouvé en pile pays après 10 ans nous capable dit pays ça mais qui côté le sorti pendant 10 ans et de progression 10 ans de succès en Haïti nous pas jamais dit ça pour en Haïti mais grand pile monde qui toujours dit pays d'Haïti pas jamais changer moi même toujours dit pays d'Haïti changer chaque année alors changement yo pas positif d'une manière que nous percevoir et changement façon que nous t'es espéré pour pays d'Haïti changer mais quand bien même positif ou négatif c'est quand même changement parce que si n'a point histoire au pays d'Haïti de 1804 à 2022 nous capable toujours gagner ça créer des changements et dans notre société haïtienne changement même le plus souvent c'est négatif que yo y si n'a regardé en 2004 et que Jean pays d'Haïti était avec un renversement du président Jean-Bertrand Aristide dès que pays a été venu trouver dans une occupation systématique avec un corps militaire qui était relé qui était relé ministre encore une fois en 2010 après tremblement de terre que pays a venu joindre dans un kachouboum politique en 2010 avec une invasion de Joseph Michel Martelly une élection qui était posé un pile problème dans société pays d'Haïti et de 2010 à 2022 nous capable dit journée jodia tout ça que n'a enduré dans société dans secteur politique dans société haïtienne non c'est après élection truqué ça que nous te joignons en 2010 alors ces changements quand même si changement au négatif moi même toujours dit pays d'Haïti changer à tout moment parce que chaque année toujours gagne et des effets sous société et sous société haïtienne parce qu'on dit souvent que il n'y a pas d'effet sans cause et toute cause en produit des effets et le plus souvent on dit les mêmes causes produiront les mêmes effets si n'a regardé selon politique pays d'Haïti même cause ou même erreur que nous fait avec des élections trucs que nous fait le plus souvent que nous toujours placé et monde que nous voulons nous pas jamais quitter peuple à choisir monde qu'il voulait alors nous capable les mêmes causes produisant ou du moins produiront les mêmes effets si n'a prend phénomène et politique pays d'Haïti de 1986 pour arriver en 2022, nous capables, c'est une répétition que nous gagnons et de 2004 que nous prenons système politique et avec étrangers et après le départ de Jean-Bertrand Aristide, nous prenons en 1990. Nous prenons en 1994, nous prenons en 2004, nous prenons en 2010 et nous prenons en 2016 ensemble avec élection que président Jovenel Moïse a élu avec une élection qui était vraiment tout et encore en 2022 jusqu'à présent nous gagnons gouvernement transition et cap essayer pour le capable retracer l'histoire pays d'Haïti malgré ça li pas capable de trouver le nan yon ti soulier li pas ka fait en c'est encore pays a t'a fonctionné sans gouvernement pays a sous lumière rouge son pays qui sous lumière rouge la pas jamais changé et alors gen moun qui toujours penser là dit lumière rouge yo penser que c'est danger seulement que lumière rouge là non lumière rouge là ça veut dire ou camper ou attendre lumière vert pour capable avancer ça veut dire son pays qui campait statique
et qui fixe, qui pas mobile, qui pas avancé, c'est ça auteur veut dire dans texte ça que Haïti sous lumière rouge. Eh bien nous pral fonti approcher sous au sac passé et dans pays d'Haïti que nous ouais en pile enfin en pile discussion en pile parler en pile fait en sur le plan de sanctions qui que les États-Unis et le Canada t'apprend sous des militants des dirigeants politiques pays d'Haïti selon ça que nous constater dans le Nouvelliste que les États-Unis et le Canada prennent yon gros sanction sous trois autorités dans pays d'Haïti qui c'est ancien sénateur et ancien président sénat Youri La Tortue et actuel président sénat sénateur Joseph Lambert et puis yon gros militant politique qui était trouvé dans parti politique Petite Dessalines qui pas fait partie et qui pas fait partie de politique Petite Dessalines encore actuellement là qui c'est yon journaliste en Gazette Créole qui c'est Assad Volsi yon militant combattant politique actuellement là qui journaliste alors que nous capable voir sanction ça nous pral font parler de sanction ça qui ça qui produit sanction ça qui c'est aux constances que nous trouvons là-dedans quelles sont les causes fondamentales des sanctions et des dirigeants politiciens haïtiens nous voulons parler de Youri La Tortue que yon et membre et gouvernement pays d'Haïti depuis quelque temps qui était sénateur qui était président sénat et qui trouvait dans département l'Artibonite qui toujours accusé selon les rumeurs de la nation de la population haïtienne pardon selon les ont dit il est toujours accusé Youri La Tortue comme un drogue dealer parfois le plus souvent nous toujours dit les hommes toujours croient dans ce qui a dit yo pas jamais quoi dans ce qui a été dit parce que le plus souvent moun ki te dit a yo pas quoi là-dedans parce que c'est yon moun ki pa gen autorité c'est yon moun ki pa gen force ki pa gen pouvoir dans société a et puis même parole ça que moun yo te dit a parole ça on pral dit par yon autorité c'est nan parole ça o que nous même les hommes nous pral quoi et parce que depuis quelque temps que nous toujours attendé nous toujours attendons parler de gouvernement qui toujours gagne des acteurs des drug dealers que nous toujours gagne dans le gouvernement mais nous pas jamais quoi et bien je dis selon les États-Unis ils ont accusé deux membres ça yo qui étaient fait partie du gouvernement haïtien qui c'est Joseph Lambert et sénateur Youri La Tortue qui accusé de moun qui t'est participé dans trafic en stupéfiant nous pour aller retourner pour nous capable faire analyse sous dossier ça pour nous capable parler qui gens nous fait tomber dans situation ça qui répercussion qui capable gagner dans situation ça en entendons ensemble avec un gars autant Haïti sous lumière rouge. Yeah.
C'est la formation Gaotan avec la voix de Destanis Pipo Haïti sous lumière rouge. Qui ça va faire pour nous capable retirer pays en bas lumière rouge que lié là? Est-ce que pays a pas déplacé? Est-ce que l'école pas fonctionné? Est-ce que parents si moun a perdu année scolaire l'école là? Est-ce qu'on pays capable fonctionner sans l'école? Faut que nous disons mon en bagay ça soya. Faut Haïti faut que nous gagnions énergie que nous dégager dans population pour nous dire que bandi pas capable bloquer un pays dans état que lié là parce que un pays pas capable fonctionner sans éducation. Un pays pas capable fonctionner sans l'école. C'est ça qui prioritaire pour nous dans fin année ça. Nous sommes en mois de novembre. Nous pas capable passer fin d'année sans que l'école pas l'ouvrir, sans que nous pas rentrer dans mois janvier avec un fonctionnement normal dans système éducatif là. Que pays pas capable fonctionner dans façon lié la fok population lever campé. Partagez l'émission pour moi s'il te plaît, faire voir nous passer, c'est pas voir seulement qui capable passer, c'est voir nous toutes pour qui fait message la passer pour nous capable lever dans des bandits, lever dans des voleurs, gang yo, ne cap simien la terre dans pays d'Haïti parce que pays a pas capable fonctionner dans niveau que lié là. Au Serenta Show, tu fleuve fleuve. Haïti sous lumière rouge. Tout politicien, tout politicien qui affilié ensemble avec bandits qui a signé la terre dans le pays d'Haïti, que les États-Unis commencent à faire nettoyage là, nous-mêmes, comme peuple haïtien, nous supposons continuer à faire nettoyage. Parce que moi-même, je dis ça, que si nous sommes esclaves, c'est parce que nous voulons être esclaves. Parce que travail là, nous ne sommes pas capables de quitter ces étrangers qui nettoyer la corruption pour nous. Nous ne sommes pas capables de quitter ces étrangers qui nettoyer la fatra pour nous. Nous ne sommes pas capables de quitter ces étrangers qui retirer la malingue, qui guérir la malingue pour nous. C'est nous-mêmes pour qui guérir la malingue. Nous, c'est nous-mêmes pour qui nettoyer la fatra. Nous, c'est nous-mêmes pour qui débarrasser nous ensemble avec les corrupteurs, ensemble avec les gangs, les malfrats et les vagabonds du pays. C'est nous-mêmes pour qui retirer yo. Gardons un exemple que les États-Unis prennent, même si gen moun qui pas d'accord ensemble avec exemple ça qui dit que c'est la politique, c'est un rapport de force, c'est avec intérêt que les États-Unis prennent décision ça, quel que soit ses intérêts, mais quand bien même nous capable prendre exemple ça que nous capable servir ensemble avec faire tourner yon positivité pour nous prendre comme exemple, nous même cap tolérer moun cap fait crime, moun cap fait cap simarin la terre dans pays d'Haïti. Ces politiciens, il faut que nous capables de suspendre tous les rires parce que c'est eux-mêmes qui mettent pays à côté nous là. Un petit bonsoir à LVUS.
Fait live l'arrivée 100 moun pour moi s'il te plaît avant que me commence à faire analyse sur les sanctions que les États-Unis et le Canada prend sur Joseph Lambert qui c'est un président Sénat actuel que et puis ancien sénateur Yuri La Tortue, ancien sénateur l'Artibonite là qui c'est Yuri La Tortue que il prend sanction sur lui avec toute madame li que il t'a accusé de nèg sa comme de nèg qui et qui a fait trafic drogue dans pays d'Haïti qui affilié ensemble avec Colombie pour faire drogue rentrer dans pays d'Haïti que les États-Unis et reproché nèg yo que de nèg sa yo utiliser pouvoir pays d'Haïti non seulement pour capable et trafiquer drogue et sous pouvoir et puis pour capable faire ce qu'on appelle blanchiment d'argent. Nous pral font ti analyse et parce que c'est pas première fois que les États-Unis est accusé dirigeant politique en pays d'Haïti, c'est pas première fois que les États-Unis rentré en Haïti pour capable arrêter après et moun qui soi-disant que yo accusé dans trafic drogue dans pays d'Haïti. Des fois que le plus souvent nous toujours est dié qui c'est un service qui toujours a veillé et trafic en drogue et dans tout pays dans le monde entier que nous toujours est dié toujours prend moun sa yo mettez en prison, yo jugé ou du moins sans yo mettez en prison sans jugement sans que nous pas jamais connaît comment jugement ou fini jusqu'à ce que moun sa passe 10 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à 30 ans prison. Pour qui ça journée jodi a sénateur Lambert ensemble avec un sénateur Yuri La Tortue que yo sanctionné yo pour capable et yo interdit yo pour yo rentrer aux États-Unis. Pour qui ça yo pas tout arrêté nek sa ou mettez nek sa ou en prison. Et puis pour qui ça yo sanctionné madame et sénateur Joseph Lambertou, est-ce que les yon moun participé nan yon action quelconque madame ou avec petit tout a supposé prend peine ça? Eh bien nous pralan et lire texte là qui c'est yon texte en de Le Floridien et yon texte en de Le Nouveliste pour nous capable voir qui ça yo mette dans dossier comme accusation sous de nèg ça. Yon l'autre côté troisième moun que yo accusé et dans dossier ça qui c'est et Assad Vorsi qui c'est un militant politique yon nèg qui était accompagné sénateur et ancien président à la présidence qui c'est Moïse Jean-Charles. Là nous parler de Assad Vorsi que nous connaissons bras droit Moïse Jean-Charles qui c'est deuxième personnage qui était beaucoup plus important dans la partie politique et comme tu capable de ça et petite Dessalines. Petite Dessalines, là nous parler de Assad Vorsi que monsieur c'est un nèg qui était campé ensemble avec Moïse Jean-Charles dans toute bataille que nèg ça était qu'on a mené. Ça qui intéressé dans dossier Assad Vorsi selon explication Assad Vorsi parce que là nous tendé yon accusé cap essayer justifier raison qui fait yon accusé ou du moins raison qui fait yon sanctionnel. Et ça qui intéressant dans dossier Assad Vorsi que yo accusé monsieur, yo posé monsieur question sur manifestation que l'été qu'on fait contre les États-Unis, contre ambassade américaine, monsieur de qu'on mené yon population devant ambassade américaine, yo accusé monsieur, yo dit que monsieur te qu'on mené manifestation violente. Après dit manifestation que petite Dessalines qu'on a mené ensemble avec sénateur Moïse Jean-Charles et Assad Vorsi, ce sont des manifestations violentes que nèg sa ote qu'on a mené. Yo rivé accusé Assad Vorsi que monsieur t'a fait pression, monsieur t'a fait pressine sous et barrière sous et sécurité ambassade américaine dans tabar que monsieur t'a essayé pour te traverser la limite et ambassade là pour te rentrer dans la cour ambassade des États-Unis. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pendant que vous dit monsieur t'a essayé faire pression pour monsieur te traverser limite là, ça veut dire c'est
il capable même dire c'est un acte de cambriolage que monsieur Tapessé fait, il capable même mettre dossier volé sous monsieur que monsieur Tapessé traverser barrière pour le voler dans l'ambassade. Alors ce paquet de questions que nous pral décortiquer question yo selon Astad Forci, les monsieur a expliqué et interrogation et comment yo interroger l'an et salle immigration dans aéroport international Miami côté que monsieur t'a essayé rentrer ici aux États-Unis. Et puis yo pimpé Assad Forci, yo voye monsieur Lacagne. Alors nous capable les m'a parler nous de servitude volontaire et nous sommes responsables. Si nous sommes esclaves en journée jodia, si nous sommes dominés, c'est parce que nous voulons et être dominés. Parce que si nous pas voulons être dominés par l'impérialiste, par la bourgeoisie, par le système impérialiste, par l'oligarchie et par exemple, nous tap essayer mettre structure dans pays nous, mettre tête nous ensemble pour nous pas quitter monde dominer nous car les journées jodia comment on apprend déception dans mes monde parce que nous pas capable vivre sans les États-Unis, nous pas capable vivre sans le Canada, nous pas capable vivre sans aucun pays étranger. Tout politicien qui vivent en Haïti a parlé mal les États-Unis, il a parlé mal le Canada, la France, il a parlé mal de G9, de 9 pays qui kembe monde là en otage. Pendant ce temps, même politicien ça, madame yo a vivre aux États-Unis, madame yo a vivre Canada, madame yo a vivre en France, madame yo a vivre en République Dominicaine. Pendant ce temps, il a mené une politique étrangère contre le système impérialiste, contre les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et contre et pays voisins qui c'est République Dominicaine. Pendant ce temps, au fond, ça n'est qu'il y a 20 ans, c'est pas ça que il y a fonctionné, c'est pas ça que il y a et c'est pas action ça, c'est pas façon ça que il a réagi. Nous capable voir qui côté nous est lorsque un politicien a vendre nous a ban nous l'évangile parce que la ban nous l'évangile là c'est une façon pour yo capable enrichir poche pour yo payer l'école madame yo ensemble avec petite yo dans pays étranger. Et bien les États-Unis fait nous à clair même les moi-même moi qu'on a dit ça parce que nous toujours croit dans ça qui dit nous pas jamais croit dans ça qui te dit déjà. Nous pas jamais croit dans ça qui te dit déjà, nous toujours croit dans ça qui dit. Parce que ça qui dit ya, c'est ça qui te dit déjà que yo répété. C'est moun qui gen voix, qui gen autorité, qui autoritaire dans monde là, qui toujours fait passer des messages que nous toujours croit dans genre de message ça, mais nous pas jamais croit dans genre de moun qui parle tant que moi-même, les m'a fait analyse, m'a parlé de servitude volontaire que nous-mêmes c'est nous-mêmes qui responsable et situation pays d'Haïti, moi-même pas jamais voulu accepter. Yon moun a parlé de oppresseur, yon moun a bay oppresseur responsable de état servitude nous parce que si n'a servi au journée jodia c'est parce que nous voulons servir au journée jodia. Si toutefois on prend les États-Unis comme un pays bon Dieu que sans lui même ou pas capable vivre ou pas capable parler mal les États-Unis et si toutefois on parle mal les États-Unis, yon pral fò pays ça, yon pral montrer que sans eux même ou pas capable vivre ou pas capable fonctionner parce que eux même ou déjà valorisé yo. Parce que l'oppresseur n'est pas oppresseur par accident. Oppresseur yo oppresseur parce que yo vle oppresseur. Le rappeler de dénoncer, rappeler de dénoncer, ça va pas servir population rien. Ça va pas faire rien pour population. Le rappeler de dénoncer. Dénoncer des fois li bon, mais le n'a gardé à qui ça que le pral servir population, le rappeler de dénoncer. Faut que nous capable essayer mettre population dans un état pour population capable essayer servir tête li pour yo capable fonctionner avec ça yo gagner pour yo capable produire pour tête yo pour yo capable sortir dans la domination. C'est ça que vous prochain en tant que leader politique. Un leader politique pas là pour appeler d'écraser briser, pour jouer pour écraser briser parce que leur écraser meuble bio que c'est nous-mêmes même qui pour le payer meuble bio. C'est nous-mêmes même qui pour le payer, moi c'est ça que me toujours dit. Appeler de dénoncer, dénoncer sans que nous pas faire action. C'est de même que gen moun qui toujours fait émission, qui a fait émission, pendant qu'il a fait émission politique, il a dénoncé, il a joué politicien, il a joué politicien, mais il n'est pas jamais capable de faire après que vous fin dénoncer, vous fin justifier toute problématique, yo, mais qui résolution. Faut qu'on capable d'une idée idéaliste ou. Faut qu'on capable d'un idéaliste pour capable gagner des idées que vous proposez à la population, des idées que vous proposez à monde, à acteurs politiques pour capable sortir pays à dans l'idée que vous y a. Moi même toujours dis nous ça. Pas parler mal monde qui fait nous passer misère et c'est sortir en bas monde qui fait nous passer misère. Là nous était n'a parler monde mal qui fait nous passer misère, monde qui prend avantage sur nous. C'est encore nous voyons un message très clair monde qui prend avantage pour nous pour capable employer une autre stratégie.
Et bien c'est comme ça que les États-Unis ont continué à employer des stratégies par la force, parce que la politique c'est jeu d'intérêt, politique c'est rapport de force. Les que eux même ont essayé de dénoncer, pendant ce temps ou gagne une grande oreille ou gagne une grande zano pardon la caille voisin. Ou pas capable gagne ou pas capable chita sous tui pour parler bœuf la mal. Bon chita sous tui pour parler bœuf la mal toute la sainte journée. Retirer derrière sous tuia sous potuia et puis laisser ou parler bœuf la mal et puis laisser ou même ou a construit un espace pour capable chita pour pas chita sous potuia encore. C'est ça vous faire. C'est ça que vous faites. Moi-même, c'est ça que je toujours dis. C'est ça que je toujours dis. Et nous sommes toujours capables de sentir ça. Nous sommes toujours capables de faire nous payer. Payer bouche nous. Nous avons parlé. Nous avons parlé et impérialiste. Mal. Et puis, nous chita sur nous-mêmes. Nous chita sur. Nous chita sur tu as parlé, tu as mal. C'est ça. C'est ça. Est-ce que nous comprenons? C'est ça que a toujours imposé nous. Qu'on a là c'est un message très clair que oppresseur yo voyait by reste politicien qui parler qui mener lutte là pour faire peur. C'est ça. Hein? En attendant que on essaye joindre ensemble avec correspondant nous qui c'est Alexandre Robinson depuis capital PIA depuis Port-au-Prince qui parle fonti parler nous de actualité journée comment journée a été et puis qui parle essayer et fonti analyse sous sanctions que le Canada et les États-Unis et impose des sanctions contre le président du Sénat Joseph Lambert et contre l'ancien sénateur Yuri La Tortue et ces deux personnages ça yo que yo et sanctionné. Et ces deux personnages qui beaucoup plus et célèbre dans secteur politique pays d'Haïti, mais pas oublier c'est pas deux nèg sa seulement que yo poser action sa yo sou yo. Nous capable songer que Fednel mon chéri que yo té révoqué visa Fednel mon chéri et puis ancien magistrat Port-au-Prince qui c'est Duplan, yo té révoqué visa nèg sa tout parce que nèg sa té prend prise de position anti les États-Unis. Alexandre Robinson, bonsoir ou sur le Tonight Show, bienvenue à l'émission ce soir. Bonsoir Flevo Flev, bonsoir d'autres fanatiques et fidèles émission le Tonight Show, c'est un plaisir pour m'intervenir de Haïti et temps. Oui, Alexandre Robinson, encore une fois, yon grand merci de ce que vous répondez présent ensemble avec nous à Skoya dans l'émission ça qui c'est une plus belle émission, une émission classique. Yon émission côté que en pile moun renmen tande pour capable partager l'idée sur ça qui a passé dans pays d'Haïti, ça qui a passé dans secteur politique là, secteur culturel là parce que son émission qui basé sur politique et la culture. Et affaire mondiale Canada a publié ce vendredi 4 novembre l'annonce en deux sanctions contre des membres de l'élite politique haïtienne, l'actuel président du Sénat Joseph Lambert et l'ancien sénateur Yuri La Tortue sont les deux personnalités visées par ces sanctions. Qui ça ou pensez de ça? Qui gens ou concevoir nouvelle ça et qui gens ouais et sanctions ça Alexandre Robinson. OK, nouvelle là, rebonsoir tout le monde et nouvelle là t'est tombé genre pour introduire nous dans question ça t'est tombé et vendredi à les nouvelles là t'est tombé dans pays là, c'était tant que son gros bout de tonton et nouvelle là parce que qui dans qui raison parce que arrivé acquise et pas même dire acquise parce que gouvernement États-Unis avec Canada, ils ont pas dit t'assembler non, ils prêté du doigt même avec et nouveau président Sénat République là, Sénat République là, Joseph Lambert et ex et sénateur non qui c'est Yuri La Tortue et les Canada non notre qui d'abord aujourd'hui pour qui t'es souligné de entité ça yo côté à Canada avec États-Unis t'as pas le sanction et du clair non notre ça c'est pour trafic et drogue et puis monde qui là cap financier et gang et le pays d'Haïti on a analysé et pile analyse, un pile réaction à chaud sous section ça mais un pile monde a fait quoi que
pour qui ça, pour qui ça fait que ça, mais nous-mêmes, analyse nous t'as qu'à faire, nous-mêmes, et je nous comprends pas, pour qui ça, c'est Joe Lambert et puis la torture. Pas oublier, il y a un bagage pour auditer fanatiquement la démission, ça connaît, c'est que les États-Unis, non, c'est commencement l'histoire, parce que il y a un pile qui est pour nous sortir très bientôt, et pendant après-midi, là, nous sommes capables, on liste et chef de gang États-Unis dit comme ça et li mettait coupe dehors n'importe qui t'a fait États-Unis jeune avec et prend et chef gang ça yo gon prime de $1 million américain. Ça veut dire c'est ça veut dire un pile bagaille. Pour nous retourner exactement sur question et sanction et gain pile monde qui même dit humiliation contre nouveau et sénat président sénat et république là on a parlé de Joe Lambert et puis ex sénateur et Yuri La Torture c'est que qui ça lié pour un pile monde yo fait quoi est-ce que c'est qu'on y a là États-Unis ouais monde ça pas bon et tandis que États-Unis pour un pile temps t'a collaboré avec eux et ça qui vient pas triste dans l'histoire. Toute délégation qui sont des États-Unis, qui sont du Canada, yo chita konta, yo représente, yo fait réunion avec eux. Faire réunion en façon pour chercher une solution avec sortie de crise que nous y en Haïti là. Si Canada avec États-Unis connaît on a une drogue. Bon, pour qui ça l'on vini, les représentants vini faire réunion pour chercher un top et la crise pays a obligé chita tout moun sa yo. Ça c'est première question à poser. Mais deuxième question à poser, si États-Unis avec le Canada connaît, y a des certitudes que des personnalités politiques ça yo nan drogue, pour qui ça dit et pas paraît. Yeah. Pour qui ça n'est pas dit qui vient sur, mais vous connaissez que nous avons un sénateur élu et grandeur qui peut même prêter serment. Mais quand il y a là, si même analyse n'a pas fait, si, parce que nous-mêmes dans l'émission, on est dans les choses, c'est analyse avant tout. Absolument. C'est formation et former, c'est mission nous ça. Mais pour qui ça? Tout chantage ça yo et d'autres pile monde qui t'a fait quoi que est-ce que c'est pas position politique de monsieur ça au prend qui cause et ba la gars comme ça mais yo même bagaille pour nous connaître États-Unis blanc même c'est pas yo pas aimé pièce nous blanc utiliser nous pour faire mal avec pays mais pour l'intérêt pas yo mais blanc pas fait cadeau lui-même c'est yon nan bagay pour moun konnen et grand pile moun ki ta fait quoi que blanc fin si logo papier ou fin si avèl de toute façon jete ou jetel mais en pile monde ta fait quoi c'est ça qui rivé de monsieur Sayo et est-ce que c'est pas façon pour tout finir avec yo sur le plan politique en Haïti mais c'est des bagages nous rete pour nous connaître et en pile monde ta fait quoi que président du Sénat a dû démissionner et juste pour au moins pour ta mettre tête li en façon parce que les comme s'il a pour ta solidarité. Non, ça veut dire démissionner, pas le président du Sénat, ça même si son petit reste dans le Sénat, mais pour image et Sénat, c'est l'Italie qui a dit le bagage, si le président du Sénat il a démissionné et la tête et Sénat républicain. Oui, c'est États-Unis. Et est-ce que c'est délègue seulement qui mérite et jouer avec ça que ça est-ce que c'est pour façon tout pour nous dire ça soit pas fort crampé et là ça a fait la guerre l'autre bagarre qui a privé ça aussi ensemble de questions nous la poser et parce que faut que nous parler avec ça parce que c'est capable d'analyser pas nous des situations mais on sur une question studio. Le Canada dit comme ça, le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut d'ancien ou d'actuel titulaire d'une charge en public pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Ça veut dire, dans le texte Canada,
Canada fait nous comprendre que nèg sa yo affilié ensemble avec gang criminel qui armé yo. Si toutefois ou senti et nèg sa yo affilié ensemble avec gang criminel qui armé yo, pour qui ça oblige à disposer $1 million by moun qui prend, comme on dit, qui liste un bandit? La dan yo gen lan mensonjou gen vitikom et gen ti labli fi ansanm de moun ki te participé en façon ou l'autre nan enlèvement 17 missionnaires qui te fait nan pays d'Haïti en 2021. Si ou accusé et Joseph Lambert avec Yuri la tortue comme moun et k'ap règle activité gang criminel armé et puis blanchiment d'argent, ça veut dire gang criminel armé au Sénégal, mort sans jouer, etc. Pour qu'ils soient obligés de disposer $1 million pour qu'ils soient appréhendés, pour qu'ils soient pas tout capturés et Joseph Lambert avec Yuri la tortue pour faire appréhender bandits ça pour qu'ils soient pensés. Bon, là, c'est une très belle question posée, mais qu'on y a là, pas oublier, il y a plein de monde qui t'a fait quoi, sanction sur les États-Unis avec le Canada, c'est une façon pour le cas faire les gens camper sous décision à prendre, sous décision politique, camper sous gens, comme si pour pas gagner accès avec politique pays. Il y a plein de monde passé comme ça. Mais qu'on y a là, il y a un bagage qui est intéressant, je veux dire, si nous jouons une tête, yo, qu'on y a là, nous t'as toujours qu'un bit tête là et puis vous ne faites tête là by élève yo. Mais qu'on y a là, est-ce que c'est une façon pour les États-Unis et puis le Canada passer nous dans bêtise? Parce que définitivement il y a une bagarre pour nous connaître. Non ça nous y est là, c'est haïtien toute notre tête ensemble pour retirer pays à la salle là. Et il y a une bagarre qui est plus important pour nous connaître tout. États-Unis chaque jour nous dit blanc mettez nous dans sanier, mais il y a une bagarre qui est plus important. Blanc pas jamais mettez nous dans sanier là s'il pas venir des haïtiens qui d'accord jouer rôle là. C'est ça me dit là. Parce que c'est ça qui est important. Blanc pas venir pour qu'on parle pour venir mettre nous dans sanier. Blanc pas qu'on Haïti assez bien, on comprend là s'il pas venir haïtien même qu'a montrer le route, qu'a montrer le côté pour déposer mes pions. Et plus loin, communiqué a fait comprendre également indiqué que le gouvernement du Canada envisagera l'imposition de nouvelles sanctions contre d'autres personnes et entités, ainsi que d'autres mesures pour faire pression sur les responsables de la violence et de l'insécurité en Haïti. Ça veut dire... Ok, t'as pour faire pression. Pour faire pression sur les responsables de la violence et de l'insécurité en Haïti. Ça veut dire, ouais, phrase, faut qu'on note bien pour auditeur ou pour monde qui branche nous là, c'est communiquer à appeler en français. Ça veut dire, vous faites ça des lors de faire pression. Ça veut dire, c'est effectivement ça nous a dit avant. Lors de tout monde qui font des ordres, ou du wa ballon pression. Ça veut dire, on peut pas battre nous. On pas sous battre vrai nous. Ça veut dire, pour les États-Unis et puis le Canada connaît, mais qui est-ce qui n'a drogue, qui n'a encouragé gang, et puis le jour pour le faire pression. Mais ça veut dire, ouais, est-ce que ça me dit là? Ça veut dire, et comme si nous avons dit, c'est chantage. Canada avec les États-Unis après. Il y a texte là démenti accusation. Non mais en relax. C'est comme si si nous parlons des bagarres politiques, mais ça va arriver nous. Mais si nous étions dans coin nous faire back, toute bagarre fini. Pour faire pression. Basé nous même ici nous tellement sous blanc tout et Gilbert est privé nous yo pas on et pas et pour cadeau c'est fruit travail nous parce que nous tellement bay blanc comme si c'est blanc ouais je dis à la ou gen doit pas pour blanc mais et pas rien ils sont pas pour blanc et pas rien mon pas rien blanc nous c'est juste parce que blanc pas parler en faveur qu'ils font pas pour lui. Mais immédiatement blanc la parle en faveur ça est blanc pam
Et c'est ça qui arrive là. Et il faut que nous notions avec le grand public là que des concernés, ils ont dit, parce que c'est pas officiel qui sorti, ils ont dit que y a pu prendre des démarches, ils ont entamé des démarches pour moi pour qu'à poursuivre et justice pour qu'on ait qui s'est fait dans le jour qu'à venir, l'idée était qu'on y a là pour nous connaître et qu'un auditeur et auditrice informé de décisions ou bien informations supplémentaires concernant ce sujet ça. Et selon communiqué encore que le Canada et les États-Unis et fait comprendre que Nexa a utilisé pour position politique au pouvoir depuis 20 ans et pour yo capable vendre drogue et depuis 20 ans que yo connaît que Nexa a vendre drogue depuis 20 ans. Si toutefois que yo la tortue et ancien sénateur, ancien président sénat depuis 10 ans de cela que yo la tortue toujours en conflit avec et des manifestants et etc que en pile monde toujours a traité a joué Youri la tortue comme dealer de drogue que la fumée pas j'aime sortir sans du feu journée jeudi à les États-Unis et le Canada et affirmé que depuis 20 ans que nous connaît Youri la tortue a vendre drogue. Mais pour qui ça c'est journée jeudi à pour qu'on n'est pas vendre drogue depuis 20 ans ou quitter nek ça et sénateur ou quitter nek sa poser candidature à la présidence ou quitter nek sa président sénat qui c'est yon poste qui est assez important président sénat dans yon pays que ou quitter nek sa c'est yon poste le de président sénat l'été al Canada l'été monté Canada l'été al participer dans réunion dans meeting. Ya non sénat ça veut dire pour nèg dans niveau ça et puis c'est comme ça et puis qu'on y a nous mais en sérieux comme yo explique ça tout c'est pour faire pression pas gain grand chose et qu'on a là c'est peuple là qu'on est si a prend ça et toi puis si on prend ça au sérieux mais c'est pour faire pression et là nous songe que il y a plusieurs cas qui présentent comme ça tel que cas ancien sénateur qui c'est et Pestel là comment le relait encore Guy Philippe qui était venu prendre Guy Philippe la main pour qui ça ou accuser yon moun et pas accuser ou les ou justifier que moun ça qu'on participer et dans trafic illicite stupéfiant drogue ou justifier ça que m capable comprendre que Joseph Lambert capable protéger de immunité parce qu'il est et il est actuel président sénat que capable gagner yon et immunité capable protéger mais en nous admettons que en nous prend Youri la tortue et qui est un ancien sénateur qui pas gagne pièce couverture de diplomatie qui pas gagne immunité pour qui ça ou connaît yon nèg comme ça depuis 20 ans li nan drogue li konn fait trafic stupéfiant et puis ou en sanctionné là pour le rentrer aux États-Unis sans qu'il pas prendre prison pour aller répondre question. Non, mais nous répondons à une question, hein, Fleuve. Ça veut dire, c'est pour montrer que c'est pas vraiment essayer qu'à régler. Bon, ça qui ont dit, j'en prête comique dans l'histoire. Ça veut dire, même Youri la tortue, ça, même Lambert, ça a pas oublié, non, certains moments, il était conseiller président. Conseiller politique au président. Ça veut dire, on est dealer de drogue, et puis, il était conseiller au président. Ça veut dire. Ça veut dire, 20 ans, oui. Communiqué à Dieu, le communiqué du département et américain du Trésor, l'histoire de Lambert avec le trafic de drogue, couvre deux décennies. C'est deux décennies, 20 ans, il y a des histoires à couvrir.
L'idée pour nous suivre le dossier ça et puis pour nous connaître qui l'autre non parce que effectivement pas croire que c'est des messieurs ça pas croire c'est celle des messieurs ça et pas croire c'est celle lui même tout qui responsable d'état pays ya ya et gien mon qui pire ça gien mon qui pire ça et ben c'est États-Unis avec Canada a plus sérieux si liste cap sorti là gien l'autre plus gros chef et qui dans tête les sur à nous rentrer dans l'affaire de Assad Vorsi ancien militant parti politique en petite Dessalines qui quitté Moïse Jean-Charles qui retourné dans micro et présentateur et journaliste politique et Gazette Créole depuis quelque temps que nous monsieur Sonek qui l'ouvrit radio qui l'ouvrit plateforme ligne et qui sorti dans la rue qui était quitté la rue et qui prend micro et selon Assad Vorsi que selon ça monsieur expliqué il a interrogé monsieur pendant 10 heures du temps monsieur c'est humiliation oui et Robinson mais fleuve Lila lita gender humiliation ça moi-même yo pas dérangé on pour raison pas dérangé en pile monde ca étonné parce que moi c'est haïtien vous me dit y a million haïtien ça pas dérangé mais en plus c'est pas haïtien seulement son politicien ça veut dire Lila ya Lila lita pour nous connaître que meilleur côté dans palais d'affaires en Haïti et faut que nous goumer pour nous changer ça ça veut dire c'est ça pour politiciens nous connaît ça veut dire a utilisé la caille nous pas du million n'a tiré une leçon dans ça mais effectivement si madame petite texan pas derrière là qui ça des milliers aux États-Unis yeah on devait toujours aller visiter l'autre côté mais immédiatement aux États-Unis tout les États-Unis a fait vous connaissez la fait tout bail ça c'est tellement connait que madame petite nèg yo idée a oui yeah c'est là parce que de toute façon nèg yo a besoin yo et nèg ça aussi de nèg qui tise pouvoir y a toujours besoin blanc pour blanc ca mettre yo parce que yo souvent dit c'est blanc mettre pour caser qu'en Haïti si blanc pas d'accord pareil mais font figure pas caser ça veut dire ouais nèg yo a toujours besoin blanc toujours tout monter vite sur blanc toujours l'elfin utilisé ou l'ouè ou pas capable encore. J'ai dit, oh. Yeah. Ou bien Cristiano dérivé non l'âge et Real pas besoin encore. Real, et ben on l'a dit, et on l'a club dit. Et qu'on s'en a via, ça veut dire, c'est ou même qui peut te connaître. Assad Doual, c'est ça qui arrive là. Assad, nous connaissons ça qui Assad là. Ça veut dire, arrivé dans le niveau comme si pour ou t'es non avion. Il y a des gens qui sont en train de régler, mais sont dérespectants, c'est parce qu'ils ont besoin. Absolument. Et puis, vous faites ça, fait tout le temps, ça, chicant, à poser des questions, Et puis, ensuite. Non, frère, dis-le, monsieur Robinson. Non, tu chantes ça. Mais c'est ça, ça veut dire, où est-ce niveau humiliation? La vie de Gon, ça décourage une histoire, ça. Ou après, il y a une pièce politicien en Haïti qui parle de ça, qui prend position de ça. Assad, je vais vous dire, vous avez quitté Assad dans Fouedi. Vous avez quitté M. pour 2 heures de temps. Vous avez interrogé l'autre monde, vous avez tourné, vous avez fait 20 minutes par la Samavelle. Vous avez allé encore, vous avez quitté M. Vous n'avez pas besoin de l'eau, vous n'avez pas besoin de manger. Monsieur fait 10 heures de temps dans la chambre froide. Assad manque. Assad, il y a un moment, il dit, monsieur, je vais vous dire, nous mettons vous et je n'ai pas besoin de rentrer encore. Mais ça qui triste là, il soit pas ben les gars accès pour dans même sortie. C'est tout dormi et puis demain matin premier vol pim pour la caillou. Pim pour la caillou frère, son déception hein. Ça veut dire pas gain plus gros de respectant que ça. Ça veut dire il temps pour politiciens reconnaître eux même qui pour changer Haïti et c'est ensemble pour nous changer Haïti, c'est la caillou. C'est seul côté pas ca win donner. C'est le pays de papa qui papa déporté c'est Haïti lié et ça prend notre travail et jeune capable pour nous changer ça et parce que l'autre information qui gagne par contre si tu as question sur information avant nous pour faire parler de l'école ouverture des classes là jusqu'à présent que oui
Oui, c'est information ça m'a pas parlé, c'est ça j'avais dit on t'a dit ouverture l'école là c'était pour en pile côté en pile côté là puis t'a mobilisé pour te voir si l'ouverture était qu'a faite et je dis à mais constat c'est toujours même gens là il y a pas vraiment l'école pas et pas même pas vraiment non porte l'école est toujours été fermée même si dans pile pour l'école dans capitale là on t'a constaté quelques machines police devant l'école mais les yeux professeurs pas répondre présent aujourd'hui à et l'école était still rété fermée et faut que noter bien que il y a pile l'école qui travaille en ligne et en pile parents toujours à parler contester à ce travail en ligne ça veut dire que professeurs ont toujours et les vieux parents ont toujours à payer l'école là comme ça doit ça qui levé en pile plume sous dos quelque part parce que c'est ensemble de information ça on est sous Haïti gaz là toujours et des problèmes gaz là même si la police nationale et gain contrôle varé mais ça pas empêcher gaz là toujours été luxe dans pays là. Et mais c'est ensemble des formations ça on est sous Haïti ma connaissance si il y a question studio la pas question et puis on cache à lui là on parle de on parle de l'école qui a fonctionné online qui gens ou capable expliquer ça qui l'école qui fonctionnait online comme ça on fait yo blizzard l'école qui fonctionnait en ligne et nous pas pas mesi de précaution nous pas citer et nous pas citer nous là et l'étape prend un bon on citer alors pour nous pas citer nous parce que yo en quantité et parce que yo non bagaille pour nous connaître en Haïti l'école pas pas supposé entrer dans business même si l'école c'est business mais malheureusement l'école entre dans business ça me dit pas là et après l'école nous connaissons ça très bien au moins avant réouverture l'école là ça veut dire il y a plus l'école premier trimestre à l'entrée on était en pile il y a plus l'école chaussettes nées c'est dans l'école là acheter uniforme c'est dans l'école l'a acheté ça veut dire où est qui gère l'école entre dans business c'est plus business qu'a fait que éducation et puis ensuite et vu avec Jean définitivement en pile dit que l'école ouais il était censé perdre un paquet d'argent il était censé t'a pas perdre un paquet d'argent parce que si l'école l'a pas trouvé et pas gagner l'argent et puis ils ont vu notre logique faire l'école là en ligne faire groupe WhatsApp bon il y a pile des parents qui même témoigner ça sous papier au méthode dehors dans groupe WhatsApp là ça veut dire c'est des bagages qui vraiment triste et en Haïti l'on est internet sous papier qui ça sous papier l'école là oh sous papier l'école là yo retiré dans groupe WhatsApp là non groupe WhatsApp là ça veut dire c'est pour montrer on est qui niveau et là nous connaissons nos pays côté internet c'est luxe et courant c'est luxe et pour faire l'école là à distance les besoins courants ou besoins courants ou besoin au moins ou internet qui bon ça veut dire l'école yo obligé employer une stratégie pour capable casser point ti malheureux yo casser point parents pour prendre l'argent en main pendant ce temps yo connaît ti moun yo pas apprendre rien voué dans groupe WhatsApp là c'est pas rien sérieux que pour monter ti moun yo l'école pas capable fonctionner c'est pas tout parent qui gagne accès à internet qui gagne l'argent qu'on y a là à l'école ça pour coûter ti moun ça plus comme avec Digicel ça cap couper pour être mon mégabyte dans internet que n'importe 20 goud ou mettez il n'est pas même fort 5 minutes il n'est pas même fort 10 minutes qui quantité là 20 goud pas de plan 20 goud 20 goud déjà longtemps pas un plan là ça et non négio et directeur l'école yo clair sur ça c'est l'argent après c'est pas une question éducation c'est pas une question pour tout le monde apprendre c'est une question pour eux même pour mettre bas n'a pas chose c'est tout mais mes amis ça et ça grave mais yo non bagay même l'état m'dou ça parce que yo non bagay pour nous connait malgré que ça est là a toujours gagne examen officiel yo a fait malgré l'école ba ouvert là
avec examen officiel doit toujours faire ça veut dire qui programme tout le monde va louer là parce que bayo grave et bayo m'a dit à repenser et parce que ni les résultats pour nous tout nous ouais dans niveau nous il est là nous pas pas supposé arriver plus bas on fait le bagage qui était été malgré le pas fait mal qui c'est de l'école mais les met ensemble yo crase ça. Aïe, aïe, aïe. Alexandre Robinson et insécurité ou dit consacré yo disponé $1,000,000 pour capable trouver l'homme sans jour et ensemble avec quelques autres bandits et qui responsable en gang dans le pays d'Haïti. Comment journée en passé journée jeudi a? Est-ce que week-end nan qui ka enlèvement que nous enregistré dans la capitale pays a pour week-end nan? Et on est sous plan et kidnapping yo pas même genre de connier non jour non de connant donc quantité a li pas comme ça mais ça qui sûr c'est que et nous connaissons ça très bien grand pile moun yo kidnappé qui pas venu dans la radio qui pas parler ça qui pas parler ça même moment yo ka toujours parler ça après mais qui pas parler ça même moment mais pour week-end là c'est plutôt week-end qui était bouleversé avec et nouvelle et Canada avec États-Unis et son la vie chère qui a augmenté de jour en jour là ici mais vraiment bah il a augmenté de jour en jour là ici ça veut dire et moun surtout moun en Haïti aussi gros seul moun qui kembe yo il pas ni l'état moun en Haïti on a dit c'est diaspora parce que diaspora que et les gros gouvernement les gros l'état qui a pensé faut au moins il t'a participation par eux dans politique faut diaspora li ta ka vote tout faut diaspora ta ka poser candidat tout parce que nous monter diaspora nous besoin l'argent mais comme si tout le temps au poste dans l'état ça pas important pour lui parce que faut au moins nous ta penser ba ça yo ya nous pas tomber et non funérailles Mika qui était faite hier comme et qu'on est même le n'a fait politique que événement ça qui était fait hier dans la cour Miramar que nous pas capable font parler de lui même si moi pas présent dans événement ça mais hier que nous réaliser que public haïtien dans la cour Florida rend Mika un gros hommage et hier que nous nous ouais un pile artiste santé présent que cérémonie t'as célébré la vie Mika et tout le monde était tout de blanc grand superstar yo dans industrie musicale haïtienne dans t'es là un pile grand média t'es là et puis on a profité et pour et saluer et puis et féliciter et journaliste James Pierre encore une fois hier que qui fait un excellent travail dans cérémonie ça que là nous gen moun k'ap travay nan communication et sur réseaux sociaux k'ap descend pantalon yo nous toujours là pour nous critiquer yo mais là nous gen yon journaliste yon communicateur k'ap lever niveau k'ap fait valeur nous même comme journaliste comme moun k'ap fait émission en communication quelque faut nous capable prendre soin pour nous capable applaudir féliciter et travaille ça que hier encore une fois après que cérémonie et distinction awards que m'était suivi monsieur dernièrement et le fait que il t'a pas remettre awards en by artiste haïtien dernièrement dans une cérémonie que monsieur était MC hier encore une fois que m'était suivi cérémonie ça en direct moi féliciter James Pierre journaliste compétent qui gagne plus de compétences, qui prouve capacité, le talent lié encore une fois dans la cérémonie. Ça. C'est ça qui est plus attiré l'attention que la cérémonie et en termes Mika fait nous découvrir et fait nous voir que monsieur gagne plus de potentialité que ça nous t'es pensé. Qui ça vous t'es pensé de la cérémonie ça, ou même qui t'a suivi la célébration ça? Mbase James a fait un good job hier et moi personnellement m'pas
ça ça pas qui me dit ça pas surpris de travail parce que nous font des potentialités et James et parce que j'allais me dire ça en nous mettre valeur sur valeur et c'est celle valeur qui connaît pas tant valeur mon compte c'est eux même qui voyez toute valeur qui met toute valeur ça sur so James. Et parce que toute émission, toute fanatique émission de Pêcheur, connaît l'importance, on est d'un coup James dans l'industrie et musicale noire. Et pour nous parler de célébration, la vie, Mika Ben qui était faite hier, dimanche, là, ça veut dire un peu le bagaille. Parce que Mika, c'est ton monde qui est ton gros bout de tonton artiste. Et la molle bouleversée, c'est PA. Et Mika Ben capable de dire, est-ce que c'est pas unique pour m'a dit seul, mais c'est vraiment c'est seul artiste qui mourit qui capable qui joue tout aura ça qui joue tout aura ça dans la société hein? Ça veut dire est-ce que c'est circonstance li mourir hein? Est-ce que c'est ça Mika qui représente hein, qui fait tout bagage ça hein? Mais moi-même pour conclusion, même parce que c'est son mariage. Un mariage entre Sami qui a été représenté, entre façon de mourir, avec Moun Mika, son mariage qui vient de bailler toute célébrité ça que Mika a gagné et pendant le mourir. Oui, ça là dans tout. Et façon que monsieur mourir et œuvre monsieur tout, œuvre monsieur pour beaucoup, non seulement œuvre lui, œuvre patriotisme monsieur, parce que monsieur c'était un qui était très patriotique. Et monsieur était toujours prouvé et le sentiment que le gagne pour pays a ça c'est un que vous capable voir monsieur mourir avec drapeau sous dos que ça ce sont des actions qui valorisaient monsieur beaucoup plus et vu qui fait que en termes monsieur gagne plus aura et ça que le gagne. Et c'est ça que nous capable dit mais nous voyons hier encore une fois que après tout ça que et nous t'a dit d'enterrement monsieur après et nouvelle qui est arrivée jeune nous que parents Mika décidé enterrer monsieur faire enterrement sans participation publique là mais nous venons réaliser que ça que nous t'ai pensé à c'est pas de ça que mon était gain raison personnelle yo raison bien déterminée qui fait yo t'ai fait le passer comme ça mais malgré toute diversion ça yo malgré toute critique ça malgré toute surprise ça que nous t'ai joindre non mais parents Mika le fait que nous t'ai tendé que enterrement t'ai fait et sans affiliation grand public là puis le reproche t'ai fait malgré ça ça pas empêché grand public là t'ai déplacé en foule pour t'al célébrer la vie yon vedette yon grand chanteur comme ça qui c'est Mikael Benjamin. Encore une fois moi féliciter tout le monde qui t'a participé dans grand cérémonie ça qui t'a dégagé yon énergie qui t'est très positive yon énergie si tu vas nous ta vle kembe énergie ça pendant que tout artiste yon vivant. Peut-être que nous t'es capable voyer culture haïtienne nan, musique haïtienne nan beaucoup plus loin que côté yo yé parce que énergie yo le plus souvent c'est pas seulement avec des sentiments de regret des sentiments de et avec émotion c'est pas seulement avec genre de émotion ça yo que nous capable dégager énergie ça les artistes yo vivant nous t'a souhaité nous kembe yo comme ça tout pendant que yo vivant pour nous capable toujours dégager émotion ça énergie ça que moi nous t'a dégagé hier dans funérailles Mikael Benjamin Alexandre Robinson le a avancé sur nous et 10h22 minutes et dans studio que pas oublier que nous gagne l'autre internaute qui toujours aimé faire des interventions dans émission en nous conclut pour nous capable quitter le nan pour répondre capable reler pour capable faire passer opinion yo analyse yo sur ça qui a passé dans secteur politique pays d'Haïti. OK, m'a conclu comme ça pour me dire et si on gon bagarre faire jodi a, on se sonne dit n'a gata fèl. On quitte le bout demain. Ça va faire à retrouver le bon, fèl jodi a parce que j'aime gon qui ça demain apporter. Bye bye tout le monde. Moi c'est Alexandre Robinson, c'est ton plaisir.
c'est parce que nous perdons l'amour. Si Haïti sourit bien rouge, c'est parce que nous voyons la voix. Et parce que nous perdons l'amour. Est-ce que c'est vrai? Hein? J. Johnson. Chenet des Ormeaux. André Pierre. Un petit bonsoir à Mimi, la Guadeloupéenne. Romanes Baptiste. Allez. Elveus. Élève régulier. Siméon Bonougan. Alors, t'as fait publicité pour Ougan, ça va pas. Pays à sous lumière rouge, je pense que là n'a parlé de pays d'Haïti et que nous avons pile bagaille pour nous t'a dit là n'a parlé de pays d'Haïti. Comment qu'à comprendre que je pense que secteur privé voilà n'a parlé de responsabilité que moi-même toujours dit ça, si pays d'Haïti dans état que là c'est haïtien qui est responsable. D'ailleurs et sur le plan de morale, que on dit souvent que l'homme est le seul responsable de ses erreurs. Que quel que soit ça ou a subi dans la vie, c'est vous-même qui est responsable. Mais quelle que soit l'intégralité. D'ailleurs, en 1804, que nous sommes capables de dire esclavage que nous avons subi en 1804, en 1700, que nous pas responsable esclavagiste que nous t'es là-dedans, parce que lorsque demain ou menoté demain ou mari ou pas gagne capable faire, yo forcé ou pas capable rester dans l'esclavage physiquement. Malgré ça que ancêtres yo t'es goumé pour être capable sortir dans prison que yo t'es abrité évadé de prison que yo t'es. Mais pour le présent moment, nous sommes en démocratie, nous sommes libres physiquement. Mais si nous sommes libres physiquement, pour qui ça nous pas capable de libérer l'esprit nous? Pour qui ça nous mettait l'esprit nous dans l'esclavage? Pour qui ça nous pas capable de libérer mental nous? Parce que nous pas gen chaîne dans pied nous encore. Nous pas gen moun k'ap veye nous si toutefois nous fait deux pas en avant. Cap veille nous pour yo di nous fait back. Si le soir nous pas veut faire back, yo frété nous. Nous pas gagne moun k'ap frété nous encore. Mais si journée jodi a nous dans l'esclavage, c'est parce que nous voulons. C'est parce que nous voulons rester dans l'esclavage. Parce que physiquement nous sommes libres. C'est parce que esprit nous faible. C'est parce que nous grand goût, c'est parce que nous ti sousou. C'est parce que nous pas aimer pays nous, c'est parce que nous pas aimer nation nous, c'est parce que nous pas aimer frère nous qui fait nous quitter étranger mettre nous dans l'esclavage. C'est parce que nous voulons. C'est nous-mêmes qui responsables. Si nous dans domination pour le présent moment, c'est nous qui cause nous dans domination. C'est nous-mêmes. Parce que nous mettons nous dans état de la servitude volontaire. Que yo pas forcé nous pour nous capable servir oppresseur yo, nous accepter pour nous servir yo. Imaginez yo, y en a qui gagne 2-3 millions de dollars au lieu que li construit yon bagay pour le mettre petit li l'école en Haïti, li obligé prend petit li ensemble avec madame li mettre l'école à l'étranger. C'est normal pour rester dans niveau que y est là parce qu'on pas construit rien la caillou. Eh bien, parce que sanction que les États-Unis et le Canada prend sous politiciens ça yo, que ça pral servir nous en pile exemple. Ça pral servir nous en pile exemple pour nous capable voir pays moun pa pays nous. Parce que à chaque fois que n'a crasé briser
n'a craser pays à comme ça, c'est parce que nous te gagnons passeport, yon visa dans men nous côté que nous capable les madame nous à l'étranger, nous dit font billet d'avion pour nous en urgence pour nous capable sauver quitter pays à pendant ce temps nous craser pays à. C'est parce que nous pas gain intérêt. C'est parce que nous pas gain intérêt. Moi-même sur le plan politique, je me sens triste de cette humiliation. Moi me sens triste sur le plan politique en tant que un compatriote, en tant que un monde qui a un sentiment, en tant que un nationaliste qui a un sentiment nationalisme, que sénateur Joseph Lambert qui c'est le président du Sénat. Le président du Sénat, oui. Là où ça veut dire, il y a un monde qui préside dans la chambre après humiliation comme ça pour tête un petit visa que le gain que il senti que pays est indispensable pour lui. Ouais, est-ce que nous pas ça veut dire hein? Président Sénat a humilié à l'état pareil. Oui, en tant qu'haïtien, en tant que un nationaliste, en tant que un compatriote, je me sens humilié. Parce que moi même pas rien. Si Joseph Lambert qui c'est un président Sénat qui a subi humiliation comme ça, allez ouais pour moi-même qui pas gagne pièce notoriété. Allez ouais pour moi-même qui pas gagne pièce immunité. Allez ouais pour moi-même qui pas gagne pièce capacité. Alors humilier un président Sénat, c'est humilier tout un pays. Humilier un sénateur, c'est humilier toute une nation. Mais dans humiliation ça me penser, nous capable prendre pile exemple dans humiliation ça. Parce que nous capable voir ça communiqué a dit que sanction ça que prend contre Joseph Lambert et sénateur Youri la Tortue, c'est juste pour capable mettre pression sur les autres responsables du pays. Ça veut dire qui ça, ça veut dire nous tout cap fait politique dans pays d'Haïti, ça supposé servir nous comme un exemple. Si nous pas corriger, c'est que nous pas moun. Si nous pas prendre conscience, nous pas corriger, c'est que nous mettre connait nous pas moun. Parce que yo voye message là ban nous, que yo voye un message très clair ban nous, un message très clair pour nous suspendre craser pays a, parce que c'est dans pays a que n'a prêté. Quel monde qui dit, il t'a souhaité les États-Unis révoquer visa tout politicien haïtien parce que ils sont trop. Il y a quelqu'un qui capable aller à l'excès, qui capable très trop extrémiste, mais selon les causes fondamentales, selon causes que n'a étudié pour qui ça y a révoqué visa n'agio, que monde qui souhaitait révocation visa tout politicien yo, que yo gen raison. Yo gen raison que politicien yo ta gen plus intérêt dans pays d'Haïti pou yo pa krasé brisé encore. Parce que krasé brisé pays d'Haïti, ça va veut dire rien pour yo. Parce que yo gon visa nan men yo, yo gen des millions de dollars nan Banque mondiale, nan Banque de Suisse, nan Wells Fargo, nan Chase Bank, nan Bank of America, nan Citibank, nan Capital One, yo gen des millions de dollars nan banque sa yo à la minute que yo fin craser pays a. Son 20 000 dollars que yo gen nan banque en Haïti, tout kob yo nan banque internationale. Yo prend avion, yo vin vivre ensemble avec madame yo, ensemble avec petite yo, parce que yo pa gen intérêt. Yo pa gen intérêt. Ça nous voit que dans niveau que nous y là, faut que nous capable prendre exemple, parce que nous pas moun encore, parce que nous pas moun encore, faut que nous capable reprendre nature humaine nous, parce que la nature de l'homme doit à la liberté, faut nous capable essayer reprendre liberté nous pour nous libre, pour nous pas dépendre de moun,
pour nous pas dépendre de monde journée jodi a nous dépend de République Dominicaine même si trop même orange su c'est République Dominicaine qui voye orange su en Haïti mais monsieur fait nous honte faut nous honte à la minute que nous dépend production nationale production et produits alimentaires nous dépend de l'autre nation nous pas faire fréquence avec peuple ça nous pas garder le danger parce que c'est lui qui va nous manger à n'importe quel moment il est capable de prendre des sanctions contre nous-mêmes nous pourrons l'obliger à lâcher nous pourrons l'obliger à lâcher caractère nous pourrons l'obliger à soumettre à n'importe quel bagage qu'il demande nous pourrons l'obliger à employer la soumission parce que nous dépendons de yo 50 à 60% produits alimentaires absortis en République Dominicaine. C'est grave. Je ne veux dire pour ces Dominicains qui nous manger. Pendant ce temps, il y a un tech qui a gaspillé. Jérémy, dernièrement, je regarde une vidéo côté un pile moun qui finit rassembler yam, banane, patate. L'âme pour yon vin vie vin van et pour au prince que y a plein yon moun yon marchand yon fin rassemble yon fin kei yon fin rassemble produit alimentaire yon vive pour yon entre vin van mais qui côté ou pral passe pour yon vin van qui côté ou pral passe pour yon vin van. Est-ce que Tilapia a quitté au passé? Est-ce que Izo a quitté au passé? Est-ce que Nexo a quitté au passé quand fou pour y rentrer pour Port-au-Prince pour y venir vendre? Déficit total capital. Alors que vous connaissez le département Grand'Anse, c'est un département qui est responsable 50 à 60% manger qu'a rentrer dans capitale pays d'Haïti l'aurait été au bloqué grand dans ou bloqué sud ou bloqué sud-est ou bloqué département dernier ou bloqué quatre départements alors que on est dans quatre départements ça au Kay ensemble avec Jérémy c'est puissance que yo en agriculture tellement yo fourni au produit manger pour vous et vendre dans capital le bloqué département ça yo qui ça veut dire c'est enrichir produits agricoles pays voisins qui c'est République Dominicaine pendant ce temps frontière yo pas jamais bloqué frontière pas jamais gain problème frontière a fonctionné et puis zone qui relie département yo dysfonctionnel yo bloqué est-ce que nous capable comprendre ça veut dire qui ça qu'a produit gang yo dans capitale là bloqué Carrefour grand pile définition il Carrefour bloqué c'est autant de fois que Carrefour bloqué c'est autant de fois que et nous gain plus accès pour nous capable rentrer en République Dominicaine pour aller acheter produits alimentaires parce que population KNN population Jérémien pas capable rentrer vinn vendre pas capable rentrer vinn vendre banane vinn vendre liam vinn vendre lame vinn vendre patate vinn vendre zabouka vinn vendre figue vinn vendre laitue légumes yo pas capable rentrer les pas capable rentrer comme ça obligé prend caille voisin et puis de jour en jour nous pral gagnon population durée de vie on pral réduire parce que consommation que n'a consommé la caille pays voisin yo pas organique c'est produit chimique que nous même en Haïti tout produit agricole nous tout produit alimentaire nous c'est 100% organique qu'on en apprend citron, orange, banane, yam, patate,
en République dominicaine, des produits qui grandissent dans quelques heures avec produits chimiques. Qu'on a là qui pourra le produire la caille, nous. Il pourra le produire des effets.